السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. وقبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالنا جداد، ودير لايك وتبارطاجي مع صحابك، وشكرا على التشجيع. السلام عليكم مره اخرى، نتلاقاو في فيديو جديد. دابا غادي نشوفوا الكور ديال ماتيماتيك فينونسيير. دونك في لا بروميير بارتي غادي نشوفوا لي انتيغي سامبل. Les intérêts simples, donc on chauffe les trois paragraphes. La première, la définition, je nous remets les intérêts simples. On va chauffe la méthode de calcul, il y a les intérêts simples. On va chauffe la méthode 4, la méthode des nombres et des diviseurs fixes. Je nous regarde la méthode au fâche qu'on a. Donc, la définition, il y a les intérêts simples. Donc, dans le cas de l'intérêt simple, le capital reste invariable pendant toute la durée du prêt. Donc, l'emprunteur doit verser à la fin de chaque période l'intérêt dû. Donc, on a une espèce d'intérêt simple. L'intérêt simple, avec le capital, les tslifna, là, les htena, les déposéna, qui est pas invariable. Il y a une htena, l'oul, elf dirham, donc elf dirham, qui est pas d'ayimen, avec le capital, elf dirham, sur toute la période, les htena fait avec le flux ou les tslifna, avec le flux. ولكن في كل فان دو بيريود باغ اكزومبل كل عام كيتحسبوا لي زانتيري على داك ال1000 درهم وهذوك لي زانتيري هما اللي كان ريكوبيريو. دونك لو كابيتال ريست ان فاريابل ما كيتبدلش هذاك الكابيتال واخا نحط 5 سنين 6 سنين 7 سنين كتبقى ديما الكابيتال ديالي هو 1000 درهم ولكن كل عام كان ريكوبيري لي زانتيري. دونك هنايا l'emprunteur doit verser à la fin de chaque période, par exemple la capitalisation annuelle, yani l'khadlam, qui a récupéré les intérêts dus. Il est mensuel, char, trimestriel, 3 mois, 3 mois, ou il est annuel, donc l'am. Donc on a la particularité des intérêts simples, le capital reste invariable pendant toute la durée du prêt. Donc, une remarque. Les intérêts sont versés à la fin de chacune des périodes de prêt. Donc, avec les intérêts, chaque fin de période, par exemple, on a capitalisation annuelle, on a 100, 1000 dirhams ou 1000 dirhams. Fache qu'il s'est allé l'âme, qu'il met s'est allé l'âme, qu'il récupère les intérêts. Qu'il met s'est allé l'âme, récupère les intérêts. Le capital initial reste invariable. Avec le capital invariable. Les intérêts payés sont égaux de période en période. Donc, les intérêts sont égaux. Parce que l'achetina a un taux d'intérêt fixe. Donc, les intérêts qui récupèrent de l'âme, ou même qui récupèrent l'âme, ou même qui récupèrent l'âme, c'est le même montant à l'âge parce que le capital initial il est fixe ou le taux il est fixe. Donc, le montant des intérêts est proportionnel à la durée du prêt. Donc, la méthode de calcul qui fait qu'on calcule les intérêts simples. Donc, on a ce type d'intérêt illustre la notion d'intérêt au sens propre du terme. Donc, on a le vrai sens des intérêts. Donc, il se calcule simplement sur la base du montant du capital initial. Donc, on dit le capital initial, c'est zéro. En le multipliant ou quand le taux d'intérêt, les T, qui se réfère à une période donnée, soit un taux annuel, ou le taux trimestriel, ou le taux mensuel. Donc il a galéré le taux d'intérêt T, qu'on a fait un taux annuel. Voilà qu'il a de spécifier au LIA, il y a un semestriel ou la mensuel. Semestriel, il y a un chose, les intérêts. Mensuel, il y a un chose, il y a un galéré, il y a un chose. Donc, on dit C0 ou le capital de T, ou T ou le taux d'intérêt. Donc, ainsi, un placement au taux annuel T donnera pour un an un montant d'intérêt. Donc, il a un placement capital C0 avec un taux d'intérêt annuel T. Donc, avec le montant de l'intérêt qui est le plus important, c'est que I1 est égal C0 capital fois le taux d'intérêt. Donc, il y a la formule de les intérêts. Donc, les intérêts, I, les carbères, est égal capital initial, c'est 0, fois
le taux d'intérêt les voit T. Ce même montant d'intérêt se produit chaque année jusqu'à la fin du placement. Donc, c'est le même montant. Les cas de rebâtir les intérêts. La période du placement. Ça va être 10 ans, 4 ans, 5 ans, etc. En général, un placement pour une période, il est quand la période est un, donc N, un, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à la sable, N, chaque année, ça oui, donnera un montant d'intérêt. Donc, il y a IN, donc est égal à N, le nombre de périodes, fois avec les intérêts les carbes flam. Je n'ai pas les intérêts, on a C0 fois T. Donc, IN, c'est les intérêts les carbes après N période, est égal C0 fois N fois T. N, c'est le nombre de périodes, ou T, c'est le taux d'intérêt, C0, c'est le capital initial. Néa, had les intérêts hadoum, huma li récupérerhom après une période, en plus de la récupération du montant de placement initial, ou récupérer le capital diali li hatayt fi l'awwal li huwa C0. Donc c'est bon, donc les intérêts huma hadoum, ou hada kanzid nakhot le capital diali. Donc néa, la formule qui nous donne le montant de l'intérêt simple, donc IN est égal C0 fois N fois T. Un DIN, ou le montant des intérêts, les canardos, mais ben, N période de placement. Tu sais, oui, C0, et ou le capital initial, les têtes. N, ou le nombre de périodes. Par exemple, le capital initial, on a dit, les têtes, on a 1000 dirhams. N, le nombre de périodes. Par exemple, les têtes, pendant 3 ans, 3 ans. Donc, on a dit, les têtes. Fois taux, le taux d'intérêt, par exemple, nous avons 3% ou 4%, yani 4% ou 3% ou l'ahsan. Donc, nous avons C0 capital initial, N le nombre de périodes de placement, T le taux d'intérêt. Donc, la formule qui nous donne le montant du capital final, donc le capital final CN, qui est égal à l'intérêt simple plus le capital initial. Donc, il faut faire une machine, je vais faire le flux camelé. Donc, quand je vais capital final li huwa CN fi capital initial diali li hatit li huwa C0 زائد le montant ديال les intérêts li tzadou. Donc CN est égal C0 li huwa capital initial plus IN li huwa le montant ديال les intérêts. Donc est égal C0 had IN hadi غنعوضوها la formule ديالها li hiya هنا. Donc est égal C0 زائد هذه C0 fois N fois T. Nous avons les intérêts. Donc est égal, on a mis le bas de C0, qui a été C0, AMI 1 plus N fois T. Capital initial, AMI 1 زائد N, le nombre de périodes, fois T, le taux d'intérêt. Donc c'est le capital final. Donc, capital final CN est égal capital initial plus les intérêts est égal capital initial à 1001 زائد le nombre de périodes fois le taux d'intérêt. Donc le principe de l'intérêt simple consiste à ne reproduire de l'intérêt que sur le montant du capital initial. Le principe des intérêts simples, il y a les intérêts mais qui reproduisent mais qui ne jouent pas le capital initial et autant de fois qu'il y a de périodes. شحال ما كانوا ديال لي بيريود دونك شحال ما كان داك لي زانتيري كنعاودو ناخذوه dans la durée du placement. En d'autres termes, on ne tient pas compte de l'intérêt produit au cours de la période durant laquelle le montant du capital initial C0 est mis à la disposition. Donc هنايا on ne tient pas compte ديال داك لي زانتيري اللي ربحنا هادوك ما كنعاودوش نديرو لهم un placement ولكن كيبقى le placement seulement ديال le capital initial. C'est pour cette raison que l'intérêt simple doit se calculer en une seule fois, à la fin de la durée déterminée. Donc, l'intérêt simple, on peut le faire une fois, c'est-à-dire qu'on peut le faire la période, ou qu'on peut le faire la formule. IN est égal à C0 fois N fois T, C0 capital initial, N le nombre de périodes, ou T ou le taux d'intérêt, ou qu'on récupère le capital initial plus les intérêts. Donc, le capital qui a récupéré, c'est CN est égal à C0
1 plus F fois T. Voilà. Donc, d'ailleurs, on cherche un exemple pour nous faire comprendre. Donc, prenons un exemple pour que cela soit clair, donc, car c'est ce point-là qui va faire la différence avec l'intérêt composé, les renchauffements de bête. Donc, considérons un capital initial de 1000 dirhams. Un capital initial fait 1000 dirhams. Placé à un taux mensuel. On a le taux mensuel de 2%. Il y a un écoule la chahar, il y a les intérêts. Pour une durée de 8 mois. Donc, on a un capital initial de 0, 1000 dirhams. On a le taux de 2%. Les T, ou un de la période, les IA N, les IA 8 mois. Voilà. Donc, Haulo, Tcharjou, des repos, Tcharjou à Tsmrin, on passe à la correction. Donc, voilà la correction. Donc, un D, en appliquant la formule, donc le montant de l'intérêt simple pour les 8 mois, ou I, on a qu'un déroulé l'indice de la période I8, donc est égal, donc C0, les voies 1000 dirhams, fois N, les voies la période 8, fois T, les voies 2%. Il y a 2%, il y a 2 sur 100. Donc est égal, 1000 fois 8 fois 0,02 est égal 160 dirhams. Donc, les intérêts les carbes sont 160 dirhams. Ou il a brit nchouf, le capital final, les radin nahod, ou le capital initial, et ou dièle 1000 dirhams, zaid, les intérêts, yel ou 160 dirhams. Donc, à t'atteigner 1000 ou 100 ou 100 dirhams, ou le capital final. Le cas, donc, combien dois-je prêter au taux de 5%? Pour me faire rembourser 1000 dirhams dans 2 ans. Donc, je vais dire que les gens qui ont fait le capital initial, je ne sais pas. Le capital final, c'est 1000 dirhams avec un taux d'intérêt de 5%, taux annuel, donc annuel, pendant une durée de 2 ans. Donc, on a fait la formule, il y a le capital final. En fonction du capital initial ou la période ou le taux, on calcule le capital initial, yani c'est 0. Donc, on va dire au poste, on passe la correction. Donc, voilà la formule. Donc, la formule, dans ce cas, donc l'inconnu X, X, c'est 0, et le montant à prêter, capital initial. Pour qu'au bout de la deuxième année, je reçois un remboursement de 1000 dirhams. Donc, on a la formule de l'intérêt simple, ND. Donc, ND, c'est N, qui est 1000 dirhams, ou le capital final, est égal à C0, qui est X, à 1000, 1 plus 2, qui est la période, N2, fois 5%. Donc, ND, la formule, les chemins de capital final. Donc, on a ND. Donc, on a qu'un charge X. Et où c'est 0. Donc, x est égal à 1000, maxoma, elle a 1 plus 2 fois 5%. Donc, il a 900 dirhams. Donc, on a capital initial, 900 dirhams, les chnines hatta, pendant 2 ans, avec un taux d'intérêt de 5%, parce que nous avons fait le capital plus les intérêts, 1000 dirhams. Et où capital final. Donc, on a l'application des formules les finales, les intérêts ou le capital final. Donc, un autre cas, donc de le même cas précédent, supposons que nous aurons besoin de 1100 dirhams. Donc, on a le capital final, les OSCN, ou 1000 dirhams. La période dans 2 ans. Donc, la période est IAMA. Et au lieu de 1000 dirhams, quel serait le taux d'intérêt? Donc, on a maintenant le taux d'intérêt. La même chose, on a la formule qui permet un tel remboursement suite à un prêt de 909 dirhams. Donc, la même chose, donc un DCN est égal à C0, 1 plus N fois T. On a un le hajab, on a un la valeur de L. Donc, un DCN est 1100 dirhams.
La période, il y a 2 ans. Le taux indi, c'est le taux d'intérêt. Ou C0 indi, c'est 909 dirhams. Donc, on va dire au poste, on va faire la correction. Donc, la correction. Dans ce cas, on connaît le montant dont nous aurons besoin dans 2 ans. Et le montant que nous prêtons aujourd'hui. Mais on se demande, je vois le taux d'intérêt à appliquer. Pour qu'un montant de 909 dirhams sur 2 ans produit un remboursement de capital final de 1100 dirhams. Donc, pour répondre à cette question, on va dire la formule. Donc, un DCN est égal à C0 plus EN est égal à C0 à 1000, 1 plus NT. Donc, C0 ND, il y a 909, NND, il y a 2, qui est égal à T ou l'IMND. Donc, un ND, CN, il y a 1100 dirhams, est égal à C0, 909 fois 1 plus 2, il y a N, fois T, il y a l'autre. Donc, 2 fois T, ND, donc, à cette année, il y a 1100, on a pas 909, 1100 et 909, on a 1. Donc, 2t est égal à 1100, 909 moins 1. Donc, il y a un t est égal à 1 sur 2, c'est-à-dire, on a 1000 kulchi. 1 sur 2 fois 1100 à la 909 moins 1 est égal à 0,105. Donc, il a choisi le pourcentage, il y a un drop à 10 000, qui a atteint le taux de 10,5%. Donc, si on a le fait de plus 909 dirhams, il y a un taux de 10,5%, parce que je vais vous donner un taux de 1100 dirhams. Donc, on a la première partie des intérêts simples qu'on a fait. On a fait une vidéo de la chaîne. ديروا لايك وتبارطاجيو الى اللقاء السلام عليكم